Salut à tous, c'est Semen7 Cabaret, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Unity. Alors ça fait super longtemps que je n'ai pas sorti le jeu, je vous l'accorde, pour un grand fan d'Assassin's Creed, c'est un peu la honte. Mais voilà, il y a eu les études, et après j'ai chopé The Witcher 3, j'ai dû recommencer Watch Dogs parce que je n'étais pas satisfait, etc. Et tout ça fait que, ben en ce moment, j'étais plus sur les deux autres jeux que celui-ci. Mais ayant reçu des critiques plutôt favorables sur celui-ci, et puis aussi parce que j'adore l'univers Assassin's Creed et que je ne pourrais m'empêcher de finir le jeu avant d'acheter le prochain, on se retrouve sur celui-ci. Il y a beaucoup de trucs qui viennent d'apparaître, je suis en train de me perdre. On va aller directement à la fille de l'air. On va y aller directement. On va se balader un peu, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je ne me suis pas baladé, donc on va en profiter pour voilà, se refaire à... voilà, je commence à faire des conneries, en profiter pour reprendre les touches en main, etc. Alors il y a des petits trucs que je trouve étranges, c'est que déjà j'ai l'impression que la caméra est beaucoup plus proche qu'avant. Voilà, c'est peut-être bien parce que... C'est peut-être bien parce que je commence à avoir l'habitude avec des Witcher 3, Wild Dogs, etc. Et j'ai l'impression que la caméra est un peu drôlement trop proche. Enfin bon, c'est pas grave. Que puis-je dire de plus? Hop. Passe au calme. Le jeu paraît un peu lent en fin de compte. Je sais pas encore une fois si c'est parce que je viens de le remettre dans la console ou je ne sais que. Hop. Là, je regarde mes anciennes vidéos pour voir un peu me rendre compte, voir si c'est moi qui délire. Donc il me semble qu'à la fin on est arrêté en tuant une femme dans un château pendant un feu d'artifice, etc. Alors comme je vais vous dire, dans ce jeu, les missions peuvent être accomplies par plusieurs façons différentes. Donc moi par exemple, je n'avais pas réussi à aider le mari de cette dame à sortir de prison, pour créer une diversion, etc. J'avais réussi à faire le feu d'artifice, mais pas forcément le sortir, quoi, tout court. Hop. Donc, en fonction de comment vous jouez, vous pourrez faire les missions totalement différemment de ce comment je les ai fait. Hop, on est arrivé. Cloche d'alerte dans ce secteur. D'accord. Bon bah on va lancer directement, on va pas y aller par quatre chemins. Mais... Pas le temps de t'expliquer! Cours! Je crois que non. Ces vieux aérostats sont à la merci des vents. Et ils soufflent trop fort pour naviguer sans danger. Revenons à cet exemplaire-ci. Hé, hey, mais que faites-vous donc? Descendez de là tout de suite! Coupe les cordes! Je te couvre! D'accord, faut que j'écoute les sorts. Ok. Hop. D'accord. Elle me couvre, mais... pas énormément non plus. J'ai l'impression d'être dans une game.
c'est bien. Vite. Elle est pêcheur un peu quand même. Non. Arnaud, je vais te rejoindre. Attends-moi. Où veux-tu que j'aille? C'est vraiment très joli vu d'ici. Si tu voyais cette vue. À qui le dis-tu? Le vent forci. Tu ferais bien de te dépêcher. Merci du conseil. Oh non, je suis un gros con. As-tu au moins réussi? Un gros con. Ah, ces problèmes ont tendance à se résoudre d'eux-mêmes. Tu vas bientôt manquer de toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer. Bien l'intention de rire en te voyant t'écraser dans le fleuve. Je vais avoir jamais le rattraper. Voilà. Hop, on recommence. Pas facile. Attends-moi. Où veux-tu que j'aille? Joli vu d'ici. Si tu voyais cette vue. À qui le dis-tu? Le vent forci. Tu ferais bien de te dépêcher. Comment je peux... Merci du conseil. As-tu au moins réfléchi à un moyen de redescendre? Ah, ces problèmes ont tendance à se résoudre demain. La voix, on dirait la voix de Swan dans... Comment ça s'appelle? Bien l'intention de rire. On est chaud. Vous savez, de la fille dans Pirates des Caraïbes et une des Swan. On va y arriver. Ce n'est qu'une question de temps. C'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la corde s'est accrochée. C'est bon. Descendez tout de suite. Hop. Dans une fenêtre. Arnaud, tout va bien. Je crois que c'est moi qu'ils sont en train de viser. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? C'est une longue histoire. Oui, il est carré et tout. Hey, oh, pardon, monsieur. Le pauvre gars a rien demandé, j'arrive chez lui au calme. Tu as l'intention de venir ou pas? Hey. Tu as l'intention de venir ou pas? Non. Par là. Ah d'accord, il y a des gens qui me tirent dessus au calme. C'est pas vraiment le moment. Ah, t'es en face du pouvoir. On s'approche.
du fleuve. Fais vite. J'arrive. La prochaine fois, je m'occupe de notre sortie. C'est magnifique. Vu d'ici, comment pourrait-on croire que notre nation se déchire? Est-ce que les choses reprendront un jour leur cours normal? Tu crois que c'est possible? Et toi? Après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons perdu. Alors c'est irrévocable. L'histoire est à jamais altérée. Nous ne reviendrons plus en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Mais cela ne signifie pas qu'on n'ira plus de l'avant. Élise, je... Tu as triché. Et toi, tu as trop traîné. Je t'aime. Perfecto. Nous allons voir. J'ai dû filer. Tu avais l'air si paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Je t'aime, Élise. Quelqu'un va venir la chercher. Espérons-le. Voilà. 1 de justice. Non. Monsieur, tu me reçois? Désolé pour tous ces parasites. Je n'avais jamais vu autant de distorsions. Ça ne me dit rien qui vaille. Que dirais-tu d'un nouveau boost avant que je perde la connexion? Je t'envoie les données. Aptitude assassin débloquée. D'accord. Discrétion. Crochetage. Il faudrait 6. Donc c'est réglé. Porte corps à corps. Je vais pas me servir de lance ni de hache. Et ça c'est quoi? Ah bah non, non, pendant que je suis d'accord. Je vais voir si je peux pas augmenter ma santé. Non. Trop cher. C'est tout. On va garder les points. Le frère Montgolfier. Accroche-toi, tu touches au but. Nos recherches n'ont pas pu identifier la date ou le lieu de la mort de Germain. Il va falloir que tu les découvres toi-même. Bishop terminé. Puis-je faire quelque chose pour vous? Voilà. Bon. Hey, au revoir. Et voilà, le trésor a disparu. C'est ça que je veux, moi. C'est que tout disparaisse. C'est comme dans les boutiques. Il faut que tout disparaisse. Il y a une cocarde quelque part. D'accord. Allez. Hop. Je vais regarder vite fait le coffre rouge, voir si c'est un coffre que je peux faire ou si c'est... Je pense que ça signifie que c'est un coffre difficile, mais je pense que je ne pourrais pas le faire. Mais... Alors, comment je fais déjà là?
J'ai un peu de mal. Il est peut-être tout en haut, à mon avis, le coffre. Je vous pardonne votre ignorance. Non. Je voudrais regarder, mais je sais plus comment faire la vidéo là, et ça a été là, dessus. D'accord. Où es-tu ? Il est au-dessus, d'accord. Donc, je suppose que vous ne pouvez pas... Pas ici, ok, au-dessus, ouais. Ouais, c'est un peu grogné, quoi. Il est encore au-dessus ? Ah oui, il est sur le toit. Non, non, remonte. Hop là! Et, à mon avis, il va être difficile. On va essayer. Ça sera notre dernière mission pour aujourd'hui. Oh, c'était limite, hein. Mais c'est passé. Bon, là, 150 points. On apprécie toujours. Hop. Je vais revoir parce que là-bas il y a un nouveau train, il y a une ligne. D'accord, en fait c'est un marchand de... Je vais voir le site de compétences, ça parle. Boost, préparation d'équipement. Et des consommables. Donc avant de s'arrêter, on va regarder un peu au niveau du sud, progression, si j'ai bien fait tout à 100%, parce que c'est vrai que... What? Oh non, non. Brute rendue furieuse, porte projetée. D'accord, il y a plein de trucs que je n'ai pas fait, donc c'est plein de trucs qu'il faudra que je refasse. Mais bon, c'est pas grave, on va pas les faire là dans cette série-ci. Ça sera exclusivement sur les jeux des difficultés. Parce que c'est vrai que ça fait un peu un frein, je dois recommencer 15 fois la mission. Et puis voilà quoi, je pense que vous en fichez un peu de voir que je réussis le défi ou que je ne le réussis pas. C'est pas non plus la priorité. Donc voilà, par exemple dans des jeux comme The Witcher, voilà, la difficulté elle est là, je peux me mettre en super difficile, ça passe. Que dans Assassin's Creed, il n'y a pas vraiment de difficulté. Et donc, je vais pas mettre 30 ans pour faire une vidéo pour vous montrer ce qu'est un meurtre discret. Et donc, ben voilà, si je fais pas le meurtre discret, il va falloir que je recommence. Puis, de toute façon, vous avez ce que c'est, le meurtre discret, c'est en gros, on se cache et puis on fait le meurtre. Donc voilà, bon, j'avoue aussi que je fuis un peu la difficulté, enfin, c'est pas vraiment une difficulté en soi, mais voilà, quoi, vous m'avez compris, et puis on s'est compris, et puis tout le monde s'est compris, et puis voilà. Donc, je vais vous laisser là, les amis, c'était une phase de récolte, en fait. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye, on se retrouve pour l'épisode prochain. Que sais-tu au sujet des négociants de grains ? Ravi de te voir, moi aussi. Pas en arrière. Mais cela ne signifie pas.